Good morgen, Aleiden, les tutres aujourd'hui, le Longishmat, Moura, Bishmoel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batrim Nechemia, et ainsi que l'Irfouat Avraham, Uri Ben Reut, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Zvachim, Perek Yud Gimel, Mishnah Chet, la dernière Mishnah du Perek. Achatat Shekibel Dama Bekos Echad. Natan Bachutz, Vechazar, Venatan Bifnim. Bifnim, Venatan Rechazar, Venatan. Bifnim, Mechazar, Natan, Machutz, Chayav, Shekulo, Raoui, Lavo, Bifnim. Kibel Dama, Bishnei Kosot. Natan, Shneem, Bifnim, Patou. Shneem, Bachutz, Chayav. Echad, Bifnim, Vechad, Bachutz, Patou. Echad, Bachutz, Vechad, Bifnim, Chayav, Alachitzon, Vapnim, Mechaper. Lema, Dabar, Dome, Levafrish, Chatato, Veavda. והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה. והרי שתיהן עומדות. שחת שתיהן בפנים פטור. שחת שתיהן בחוץ, חייב. אחת בפנים ואחת בחוץ, פטור. אחת בחוץ ואחת בפנים חייב על החיצונה, והפנימית מכפרת. כשם שדמה פותר את בשרה, כך הוא פותר את בשר חברתה. On commence à expliquer notre Mishnah tout de suite. On continue bien sûr avec l'interdit de Ma'ale Bachutz, qu'on a traité durant tout le chapitre. L'interdit de prendre un korban et d'aller le faire à l'extérieur du Beth Amikdash sur un autel. Construire un autel dans sa cour et là-bas le faire. Il y a une misa particulière, la Torah donne un interdit particulier en me disant ce qui doit être fait à l'intérieur, tu le fais à l'intérieur, interdit de le faire à l'extérieur. C'est un interdit de Ma'ale Bachutz. Dans notre Mishnah, on va se concentrer spécialement sur l'aspersion du sang à l'intérieur, du Beth Amikdash. D'accord ? D'abord, une première donnée, retenez-la bien. Tout korban duquel je dois asperger le sang, il faut bien différencier le sang. On va prendre un korban classique d'un khatat. Un khatat, par exemple, parce qu'on va parler du khatat. Le khatat, je dois prendre, une fois que j'égorge le korban, je dois récupérer tout le sang dans un ustensile. Le Kohen prend ensuite, le Kohen récupère le sang, ensuite il doit prendre ce sang, le monter sur le misbéach. Là-bas, il y a les quatre coins du misbéach, il va faire le tour, il va tremper son doigt, et il va le mettre sur les quatre coins du misbéach, il va redescendre, et il va ensuite verser le reste du sang sur le socle du misbéach. D'accord ? Ça, c'est une donnée claire que tout le monde doit connaître déjà depuis bien longtemps. À part ça, on apprenait là-bas dans le Perek Bet Shammai que il faut différencier maintenant la partie du sang obligatoire et la partie du sang facultative pour accomplir la mitzvah pleinement. C'est vrai que j'ai dit que je dois donner 4 fois du sang, et en plus de ça, verser le reste du sang sur le socle. Toutefois, l'obligation pour que le propriétaire s'acquitte de sa mitzvah d'apporter un korban khatat, pour que les kohanim puissent manger la viande et tout ça, et ben dès que le kohen il va donner le premier don de sang sur le keren, sur le coin du misbéach, on s'est acquitté de la mitzvah. On a accompli le minimum. Bien sûr, pour embellir la mitzvah, la faire de manière plus large, alors il va falloir faire, bien sûr, toute la mitzvah que la Torah l'a dit, de mettre sur les quatre coins du misbéach, d'aller le verser sur le socle. Mais en tout cas, avec le premier don de sang, on s'acquitte déjà de la mitzvah. De ce fait, je donne une donnée d'abord très importante. Je prépare le terrain pour ensuite lire la Mishnah facilement, d'accord ? Donnée importante. Lorsque dans un sang, d'un korban khatat, j'ai réceptionné le sang, un korban khatat classique pour le moment, et ben, à partir du moment où le Kohen a donné le premier don de sang sur le misbéach, si quelqu'un va prendre ce sang et va aller le verser à l'extérieur du Bet Amikdash, on ne va plus transgresser l'interdit de Ma'ale Bachutz. Étant donné que le sang, maintenant, il a déjà été nitar et matir, il a déjà permis le korban. Donc ce fait, le reste du sang, ce n'est que pour la mitzvah plus belle, mais on n'accomplit plus, on ne transgresse plus l'interdit de Ma'ale Bachutz avec ce sang si on l'asperge à l'extérieur du Beth Amikdash, d'accord ? Il y aura l'interdit de faire monter les parts, les graisses, de les faire monter à l'extérieur du Beth Amikdash, mais on n'aura pas l'interdit maintenant d'asperger le reste du sang, bien qu'il y ait une mitzvah de le faire à l'intérieur. Ok ? Ça, c'était pour un khatat classique, ce qu'on appelle un khatat chitzon. Je vous rappelle qu'on a deux types de khataot. Un korban khatat, pour se faire expier des fautes sur lesquelles on a passé un korban karet. Alors, il y a des khataot que l'on fait à l'extérieur, la plupart des khatot on fait à l'extérieur, dans la cour, il y a le grand misbéach de 28 amas, de large, 10 amot de haut, 5 mètres,
Et ça, c'est pour les chataot achitsonot. Il y a aussi ce qu'on appelle les chataot apnimiot. Il y a un certain groupe de korbanot où, lorsqu'on assimile le sang, il ne faut pas l'asperger sur les quatre coins du misbéach à l'extérieur, mais plutôt le faire entrer dans le Echal, dans le sanctuaire, en direction du Kodesh Kodeshim, mais pas dans le Kodesh Kodeshim. Il y a juste un Yom Kippour, on fait entrer dans le Kodesh Kodeshim. En tout cas, là-bas, on va asperger, le Kohen, il doit asperger sur la Parochet, cette don, et puis ensuite, partir sur le Misbéach Azahav, le Misbéach en or, qui est tout petit, lui. Il fait une amas sur une amas, un cube de une amas sur une amas, ça, c'est petit comme ça. Là-bas, on faisait brûler la Ktoret, il était en or, et c'est vraiment recouvert d'or. Et le Kohen devait prendre de ce Khatat, elle aspergeait sur les quatre coins de ce petit misbéach, de ce petit autel. Ensuite, une fois qu'il avait fini les aspersions à l'intérieur du Echal, il sort maintenant du Echal, et là-bas il va rencontrer le grand misbéach, là-bas il va rencontrer le socle Maharavi, et de l'ouest, quoi, et là-bas il va devoir verser le reste du sang qu'il a en sortant du Echal, il va verser tout le reste du sang là-bas. D'accord ? Vous avez retenu le procédé ? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que lorsqu'on fait un khatat apnimit, il faut asperger du sang dans le Echal et verser le reste du sang sur le misbéach hachitzon. Maintenant, on y arrive, doucement, doucement. Autre donnée maintenant, il y a une marloquette fréquente dans Zvachim, à savoir, est-ce que Shi'er Adam me'agvim ou lo me'agvim ? Tout korban, une fois que j'ai fini d'asperger les dons de sang que je dois faire, je dois verser le reste du sang sur le socle, sur le yesod. Vachiraim, la yesod, on le lit dans Ezou Mekomach et Zvachim. D'accord ? On doit verser les restes sur le socle. Le Yesod. Maintenant, dans tous les korbanot, en général, ça n'invalide pas le korban si je ne l'ai pas fait. Dès que j'ai fait un seul don de sang, je me suis acquitté. Pour les chataot apnimiot, c'est très strict. Tout ce qu'on t'a dit d'asperger à l'intérieur, tu es obligé de le faire. Et quand tu vas sortir maintenant, le fait de verser le reste sur le socle, il y a une marloquette fixe, fréquente, qu'on rencontre fréquemment. À savoir, est-ce que ça invalide le korban si on n'a pas versé les restes sur le misbéach harizon ? L'avis de Rabbi Nechemia est que ça invalide le korban et notre Mishnah va aller selon d'après Rabbi Nechemia. On a fini toutes les introductions pour maintenant lire la première partie de la Mishnah. Retenez maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que notre Mishnah maintenant, il faut retenir deux choses. Lorsqu'on fait dans un khatat chitzon, dès que j'ai fait un don de sang, je me suis acquitté. Si je verse le reste du sang à l'extérieur du Beit HaMikdash, je ne suis pas chayav. Dans un khatat pnimit, un khatat que je dois faire à l'intérieur du Echal, alors là-bas, selon Rabbi Nechemia, verser le reste du sang sur le socle, ça invalide le korban. De ce fait, si je vais aller verser ce sang à l'extérieur du Beit HaMikdash, je suis chayav de Maale Bachutz. Parce que ce que je dois offrir en obligation comme sang dans le Misbéach à l'intérieur du Beit HaMikdash, je suis chayav si je le fais à l'extérieur du Beit HaMikdash. C'est clair ? Maintenant, on commence à lire la Mishnah. Khatat Shekibel Dama Bekos Echad. On parle d'un korban khatat pnimit que l'on fait à l'intérieur. Selon l'avis de Rabbi Nechemia, on a aspergé tout le sang qu'il fallait à l'intérieur, maintenant il nous reste les restes du sang. D'accord ? Achatat Shekibel Dama Bekos Echad. Un korban khatat qu'on en a réceptionné le sang dans un seul ustensile pour le moment. Ça va se compliquer. Là, celui de la Mishnah, on va parler de deux ustensiles. Pour le moment, un seul ustensile. On a réceptionné le sang. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est que Lorsqu'il avait ses restes de sang, Nathan Machutz, il est parti donner une goutte de sang sur un autel à l'extérieur du Beit HaMikdash, une partie, même partiellement. Vechazar ve Nathan Mifnim. Et il est revenu, il a versé les restes du sang sur le socle du Misbéach. Alors, ou encore, autre situation, c'est qu'il a fait le contraire. Bifnim, il a commencé à verser à l'intérieur, la moitié du sang par exemple. Et Vechazar et Nathan Bachutz, ensuite il est parti, et il est retourné, il est parti à l'extérieur du Beit HaMikdash, verser le reste du sang sur l'autel qui était externe. La Mishnah enseigne Chayav. Dans les deux cas de figure, il est Chayav. Il transgressera l'interdit de Maale Bachutz de faire son korban à l'extérieur du Beit HaMikdash. Pourquoi ? Chez Kulo Raoui Lavo Bifnim. Car toute l'intégralité du sang, elle est apte à être offerte à l'intérieur du Beit HaMikdash. C'est-à-dire, une fois qu'il est sorti de Azara, une fois qu'il est sorti du Echal, avec ce récipient, il a l'obligation de verser les restes de ce reste de sang, sur le socle du Misbéach. De ce fait, s'il ne verse que la moitié, il a encore l'obligation de continuer à faire, de continuer à tout verser. Et s'il ne le fait pas, ça va invalider le Corban. D'accord ? De ce fait,
tout ce sang, il va le verser sur le misbère. Si une partie de ce sang, il va le faire à l'extérieur du Bat HaMikdash, il va transgresser l'interdit de Malé Bachout, peu importe dans quel ordre il le fait, s'il verse d'abord à l'extérieur ou s'il verse d'abord à l'intérieur, tant qu'il va prendre une partie du sang qui était destinée à l'extérieur, obligation de le faire à l'extérieur, qui était destiné sur le corps, sur le misbéach à Chitzon, sur le misbéach du Bet HaMikdash qui était à l'extérieur, du Echal quoi, sur le misbéach à Chitzon, dès qu'il y a un sang qui était destiné sur le misbéach à Chitzon, eh ben, il n'a pas le droit de prendre une partie de son et le faire à l'extérieur du Bet HaMikdash. C'est clair? Peu importe dans quel ordre, c'est ce que la Mishnah m'a dit. Peu importe s'il a donné Nathan Bachutz, Vechazar Nathan Bifnim, Nathan Bifnim, Vechazar Nathan Bachutz. S'il a commencé d'abord en donnant dehors, après à l'intérieur, ou d'abord à l'intérieur, puis ensuite à l'extérieur, dans tous les cas de figure, il a versé quelque chose qui était destiné par obligation au Misbéach. Il est parti le verser à l'extérieur du Bet HaMikdash. Il sera Chayav Karet. Et là, on va transgresser l'interdit de Malé Bachutz. C'est clair? On continue à présent sur la suite de la Mishnah. On lit d'abord la première histoire de donner un petit peu l'allure. Je vous explique la structure de la Mishnah. C'est simple. On va entrer dans un cas compliqué du cas de Kibel Dama Bishnei Kosot. Il a réceptionné maintenant le sang de la Khatat dans deux verres. D'accord, on va expliquer qu'est-ce qui se passe avec les deux verres. La Mishnah elle va nous donner une série de halachot. Ouais, plusieurs cas de figure. Les deux à l'intérieur, les deux à l'extérieur. Un à l'intérieur, à l'extérieur, un à l'extérieur, à l'intérieur. Et pour expliquer cette halakha, la Mishnah, elle va ensuite nous prendre un exemple où ça va être beaucoup plus compréhensible le principe que un exemple où on va voir, on va se retrouver avec deux korbanot pour une même avera, et donc on se retrouve dans une situation où on a deux korbanot, et on va de nouveau traiter là-bas des cas de figure de les deux à l'intérieur, les deux à l'extérieur, un à l'intérieur à l'extérieur, un à l'extérieur à l'intérieur. Et là-bas, on va mieux comprendre la halakha, et quand on va mieux comprendre la halakha, on va ensuite pouvoir comprendre mieux l'histoire avec les deux verres de sang. Donc ce qu'on va faire, nous, pour le moment, c'est qu'on va, bien sûr, lire et traduire la Mishnah dans l'ordre. On va expliquer très brièvement quelques petits principes. Ensuite, jusqu'à qu'on arrive à la fin de la Mishnah, la dernière partie de la Mishnah, où il va y avoir justement l'exemple, la parabole. Et une fois qu'on va comprendre, on va expliquer à l'oral, on va revenir sur la première partie de la Mishnah, Be'ezrat Hashem. On fait ça tout de suite dans les mots. Kibel Dama Bishnei Kosot. Cette fois-ci, il a réceptionné le sang de la Khatat dans deux verres distincts. Une halakha très particulière. Lorsque je réceptionne dans deux vers distincts, selon Rabbi Nechemia, regardez dans Barthénoï, il nous dit « Kosecha doset chaverot gachouy ». Il y a une halakha particulière. Tu réceptionnes tout dans un récipient, tout ce sang-là qui est à l'intérieur, c'est le sang de la kapara. Lorsque tu vas réceptionner le sang de la khatat apnimit, en tout cas, dans deux récipients différents, alors il faut que tu choisisses un ou l'autre. Mais si tu as commencé à faire maintenant les dons de sang avec l'un, tu ne pourras plus continuer avec l'autre. L'autre, il est invalidé. D'accord? Il faut nécessairement choisir. Tu peux choisir le premier, tu peux choisir le deuxième, ce que tu veux. Mais tu as commencé avec l'un, tu vas avec l'autre, tu vas avec lui jusqu'au bout. Et de ce fait, suite à ça, la Mishnah va m'enseigner des halakhot originales en me disant. Donc il a réceptionné dans deux verres. Natan shneim bifnim, pas tout, bien évidemment. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas lire cette phrase-là, dans tout ce Yom-Tov. Barthénoï lui-même aussi soulève le problème. Tous les méfarchim expliquent, il y a des problèmes. Il y a une phrase un peu bizarre, mais en tout cas, qui va me dire, il a réceptionné dans les deux verres, et puis ensuite il a aspergé tous les dons de sang qu'il fallait faire avec les deux verres. Il a fait avec l'un, puis après il a fait avec l'autre. Bien sûr, il ne sera pas tout, il sera dispensé, étant donné qu'il n'a pas fait de korban à l'extérieur du Bet HaMikdash. Il aura fait n'importe quoi, il aura fait des bêtises, voilà, il devait faire que le premier, pas le deuxième, mais en tout cas, il n'aura pas transgressé l'interdit de Malé Bachutz. D'accord? Je vous dis, c'est un peu en trop cette phrase, il y en a qui disent qu'il ne faut pas la lire. Ensuite, Shneim Bachutz Chayav. S'il a pris les deux récipients, il est parti à l'extérieur du Bet HaMikdash et il a aspergé un verre d'abord sur le misbéach qu'il a construit à l'extérieur. Et puis après, il a pris le deuxième verre, il a de nouveau aspergé. Il est chayav sur chacun. C'est-à-dire, il y a des règles de chataot, de transgression des chataot. Il sera chayav d'apporter au moins un korban parce qu'il en a fait une avera. Tachlès, concrètement, il a fait deux averot avec une seule erreur. Ça alourdit, je préfère ne pas parler. D'accord? Il a concrètement retenu qu'il a transgressé deux fois la Avera. Ok? Ensuite, Echad Bifnim Vechad Bachutz, Patour. Si toutefois il avait les deux récipients, et il a pris le premier, il a fait tous les dons de sang à l'intérieur comme il fallait, il a versé les restes du sang sur le socle, parfaitement, tout va très bien. Après, il a pris le deuxième verre de sang, il est sorti dehors, il a donné là-bas sur le misbéach. La Mishnah m'enseigne qu'il est dispensé. Il n'aura pas transgressé l'interdit de Maalé Bachutz. Étant donné, je le dis tout de suite, le principe c'est simple, étant donné qu'avec le premier récipient, il a accompli toutes les mitzvot du don de sang qu'il fallait faire,
Donc le korban, il s'acquittait de sa mitzvah. Le reste, l'autre sang, c'était un sang qui était prédestiné à être versé au petit ruisseau qui passait dans le Matamigdash. Il était grillé, inutilisable, invalidé totalement. De ce fait, il est parti le donner à l'extérieur du Matamigdash. Il n'est pas tour, puisque ce n'était pas un sang qui était prédestiné au Mizbeach. D'accord ? A l'inverse, Echad Bachutz, Echad Bifnim, Chayav Alachitzo, On Vapnim Imechaper. S'il a fait le contraire, il a réceptionné dans les deux sangs, il a récupéré le premier verre, il est d'abord parti asperger le sang sur l'autel qu'il a fait à l'extérieur du Beth Amikdash. Il a transgressé l'interdit. Mais l'autre verre de sang, il est resté pour le moment dans le Beth Amikdash. Il est rentré dans le Beth Amikdash et l'a aspergé sur l'autel qui est à l'intérieur, comme la halakha le prescrit. Il a fait deux choses, ce monsieur, une grave avéra et une grande mitzvah. Il aura réussi à transgresser l'interdit de Mal et Bachutz, mais d'un autre côté aussi, le korban n'a pas été invalidé lorsqu'il a sorti le sang. Le sang qu'il a sorti, le sang lui-même, il est devenu invalidé. Mais le korban qui est encore à l'intérieur de la Hazara, avec son sang qui est encore à l'intérieur de la Hazara, le korban, lui, il est très bien, il n'a aucun problème. De ce fait, il revient à l'intérieur, il asperge le sang comme il se doit, il a accompli sa mitzvah. Et là, comme c'est un peu fin et délicat à comprendre, la Mishnah va rentrer dans un machal. Les ma'adavar domé, à quoi cette situation ressemble-t-elle? C'est très simple. Les mafrish ratato, à quelqu'un qui va désigner une kivsa, une brebis, pour en faire son korban chatat. Il est mafrish chatato, il a désigné sa chatat. Ve'avda, et ensuite il a cherché, elle a disparu. Et de ce fait, ve'ifrish acheret tartea, de ce fait, il est reparti dans son troupeau. Il a désigné une nouvelle brebis en guise de chatat. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a une chatat et une chatat qui a été perdue. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Et quelques heures après, quelques jours après, est réapparu l'autre khatat. Il s'avère que maintenant, on a un monsieur qui a deux khataot. Et voilà que maintenant, il a les deux khataot qui sont devant lui. Alors d'abord, il faut savoir, lorsqu'on a deux khataot, on peut choisir une ou l'autre, mais pas les deux. Une fois qu'on a choisi la première, la deuxième, c'est ce qu'on appelle une khatat ameta. Il faut la laisser mourir de faim. D'accord? On la faisait rentrer dans un endroit et on la laissait mourir de faim. D'accord? Parce que c'est khatat ametot. Il y a des korbanot que l'on peut racheter quand il y aura un défaut, quand il y aura un moum. Il y a des korbanot qu'on ne peut pas racheter. En l'occurrence, le khatat, c'est une khatat chez Nitkapu, Baaléa. Un khatat de laquelle les propriétaires s'est déjà acquitté de son devoir d'apporter son khatat. Elle, maintenant, elle n'a plus de fonction. Elle doit mourir d'elle-même. D'accord? Donc maintenant, la Mishnah va me faire exactement le même principe. Shachat shten bifnim patur. Si toutefois, ça lui a pris, il a égorgé les deux à l'intérieur et aspergé le sang, il n'aura pas transgressé, bien sûr, l'interdit de ma'alé bachus. C'est une phrase en trop, de nouveau, comme précédemment. Ouais, le premier khatat qu'il aura fait, c'est sa mitzvah. Le deuxième, c'était n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il n'a pas transgressé l'interdit de Ma'alé Bachutz. Ensuite, Shachat Shten Bachutz Chayav. S'il est parti prendre ses deux korban khatat, il est parti les faire à l'extérieur du Beth Amikdash, il sera doublement Chayav. Parce que moi, j'ai un devoir d'apporter un korban khatat. J'ai deux possibilités d'apporter un khatat. La première, j'y allais et je le fais à l'extérieur du Beth Amikdash. Une transgression. La deuxième, j'y allais de nouveau. Je la fais encore une fois à l'extérieur du Beth Amikdash. Et bien, une deuxième transgression. Donc, il aura transgressé deux fois l'interdit de Ma'alé Bachutz. S'il a fait maintenant achat bifnim ve achat bachutz, patour. S'il a commencé à faire la première à l'intérieur du Beth Amikdash, donc il s'est acquitté de sa mitzvah d'apporter le khatat, il a expié sa faute. Vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il faut faire avec la deuxième dans ce cas-là? La laisser mourir de faim. Lui, ce qu'il a fait, le chacham, il a prise, il est parti l'offrir à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc il a fait achat bifnim, une à l'intérieur, et puis ensuite achat bachutz, une autre à l'extérieur. Eh bien, pas tout. Il n'aura pas de transgression à l'interdit de Ma'alé Bachutz, étant donné que ce korban n'était plus prédestiné au Mizbeach, il devait mourir de faim. Par contre, il a commencé à Achat Bachutz, Achat Bifnim. S'il a commencé avec la première, il l'avait d'abord faite à l'extérieur. Waouh! Celle-là, tu devais la faire à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tu as transgressé à l'interdit de Ma'alé Bachutz, il sera Chayav. Chayav à la Chitzona. Mais ensuite, il rentre au Beth Amikdash, il fait la deuxième en guise de Khatat. Eh bien, Vapnimit Mechaperet. Là. La deuxième khatat qu'il aura fait à l'intérieur, elle expire à la faute. C'est normal. Moi, lui, il garde son. C'est simple, le principe est très clair. J'espère que vous suivez bien, c'est pas compliqué. Moi, je dois porter un korban khatat. J'ai la possibilité soit Aleph, soit la Aleph, soit la Bête.
Je peux choisir faire la bête et pas la Aleph. La Aleph et pas la bête. Les deux, impossible. Prendre les deux, aller les égorger dehors, je transgresse deux fois l'interdit. Une première fois, parce que je devais la porter à l'intérieur. Bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai transgressé. Alors vas-y, s'il te plaît, prends la deuxième et rentre à l'intérieur du Beth Amikdash. Et fais-la comme il faut. Et de nouveau, à Oda, il recommence et la fait encore une fois à l'extérieur du Beth Amikdash. Une deuxième fois, deuxième interdit, donc il transgresse l'interdit. Mais s'il va prendre la deuxième, il va rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash, et ben il aura accompli sa mitzvah. Vous avez suivi le principe? Et ben on revient maintenant sur les deux verres de sang, c'est exactement le même principe. T'as deux verres devant toi, t'as récupéré le sang dans deux verres distincts. Alors tu choisis un ou l'autre, mais les deux non. Un n'est pas shiraim de l'autre. Si tu as décidé de faire la kapara avec un verre de sang, le deuxième doit être versé dans le ruisseau du Beth Amikdash. Il y avait là-bas un petit ruisseau qui passait, il devait être versé dans ce petit ruisseau et c'est grillé, inutilisable. Tu choisis le Aleph ou le Beth. D'accord? Tu prends ces deux verres, tu vas les asperger dehors, et bien tu vas transgresser deux fois l'interdit. Selon le cas, tu seras pas capable d'un korban ou de deux korbanes. Il faut juste prendre connaissance de l'erreur entre les deux. C'est des halakhot particulières par rapport aux lois d'écrit toutes. D'accord? Des khataot et d'écrit toutes. Ça arrive chez Yedi Abentaim. Il faut qu'il y ait prise de connaissance, de conscience. En tout cas, donc tu transgresses devant l'interdit. Si tu fais un à l'extérieur, un à l'intérieur, et bien à l'extérieur tu as fait ta avera, à l'intérieur tu as fait ta mitzvah. Tu commences à faire un à l'intérieur, un à l'extérieur. Là, tu auras fait ta mitzvah et tu n'auras pas transgressé l'interdit de Malé Bachrutz. Pour quelle raison? Ce que tu as fait à l'intérieur, ça t'a acquis de la mitzvah. Le deuxième verre, maintenant, il n'est plus prédestiné au Mizbeach, il est prédestiné au petit ruisseau. De ce fait, tu ne seras plus Chayav. Et de ce fait, la Mishnah maintenant revient et me conclut en me disant Keshem Shedama Poter et Besara. Regardez quelque chose d'extraordinaire. On a les deux verres maintenant devant nous qui sont dans la Hazara. Keshem Shedama Poter et Besara. Au même titre, soit les deux verres, soit les deux Chataot en fait. Je sais pas, on parle des deux car en même temps, je pense. Minameila, ouais, non. Il se rapporte sur les Korbanot. On continue sur les Korbanot en fait. C'est le même principe, ça revient au même. Sauf qu'on va parler par rapport à l'interdit de Meïla. J'explique. Au même titre qu'il y a une halakha, vous savez bien, interdit de profiter de quelque chose qui est kadosh, il y a un interdit de Meïla de faire un sacrilège, de tirer profit de quelque chose qui est kadosh. D'accord? Il faut savoir, lorsque j'ai un korban khatat, que j'aspergeais le sang comme l'halakha le prescrit, que la viande maintenant va devenir permise pour les kohanim, alors puisque maintenant la viande va devenir permise aux kohanim, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Moi qui suis en Israël, je n'aurai pas le droit de manger ce korban, mais si je le mange, je ne vais pas transgresser l'interdit de Meïla. À quel moment l'interdit de Meïla, de sacrilège, il est transgressé, il est levé, à partir du moment où le sang a été aspergé comme il se doit. D'accord? Eh bien, la Mishnah m'enseigne maintenant. Lorsque tu as les deux chataot, pour le moment, il y a un interdit de Meïla avec l'une comme avec l'autre. Si tu vas décider de faire une et tu vas finir de la faire jusqu'au bout, au même titre que maintenant, l'aspersion du sang va permettre l'interdit de Meïla de ce khatat. Il y a aussi le bel interdit de Meïla du deuxième khatat. Pour quelle raison? Parce qu'une khatat qui n'est plus destinée au Mizbeach, mais plutôt qui doit aller se faire mourir de faim, qui doit aller mourir de faim, qu'on doit tuer en fait, alors on ne transgresse plus l'interdit de Meïla. C'est ce que la Mishnah conclut en me disant Keshem Shedama Poter et Besara, au même titre que le sang du premier khatat que je vais faire, va maintenant lever l'interdit et permettre, va lever l'interdit de Meïla, ça va dispenser la viande de la première khatat, car ho poter et besar chaverta, au même titre il va lever l'interdit, il va dispenser de l'interdit de Meïla pour le deuxième korban. Et bah, au Hashem, on a mis cette Mishnah, j'en suis bien content parce que c'était dur à préparer et à présenter. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.